un accident. Cinébox. C'est deux familles en miroir, extrêmement heureuses. Et voilà, le malheur va rentrer dans une des deux familles. Et c'est comment ces deux familles vont pouvoir continuer à cohabiter, l'une dans le bonheur, l'autre dans le malheur. Je vais raconter un conte noir dans la flamboyance, la beauté des années 60. Je voulais revenir avec ce film à la base du thriller. Donc pour moi, la base du thriller, c'est Hitchcock, c'est les années 60, et me confronter aux origines du thriller. Il y avait une préparation, il y avait une sorte de cours de maintien qu'on a suivi à Paris. Comment on devait se mettre dans un fauteuil à table, comment on devait manger. Et donc, quand on fait un film d'époque, bah, il faut tout recréer, quoi. Et c'est vraiment comme quand on fait une peinture ou un dessin. C'est-à-dire, on doit tout choisir, on doit tout définir. Et moi, qui suis un cinéaste du contrôle, j'aime plutôt bien ça. En tout cas, quand on a fait un film d'époque, c'est plus difficile de revenir dans le contemporain. Ce 27 et 28 avril, le cinéma wallon vous ouvre ses portes et ses studios avec le Wallywood On Tour. Durant tout un week-end, de multiples animations vous seront proposées, dont celle de donner la réplique à des stars du cinéma dans des scènes de films tournées en Wallonie. Parmi celles-ci, Duel justement, que vous pourrez découvrir le samedi soir en présence de l'équipe du film lors d'une projection événementielle qui sera proposée simultanément partout en Wallonie. Toutes les infos seront prochainement sur cinevox.be. Donc, on vous attend le samedi 27 avril, partout en Wallonie, pour une projection événementielle de Duel. Cinébox.